Bon, alors là, il me semble avoir fait une découverte intéressante que je vais essayer de vous montrer si je la retrouve. C'est toujours le problème dans ce sable, c'est que on a du mal à détecter les fossiles qui sont mélangés, incrustés. Et là, je vois un petit morceau d'os, un éclat d'os. Certainement, hop, de baleine qui a été détruit ensuite. Le squelette a été bouffé. Et à côté, vous voyez rien, mais comme je suis un spécialiste, moi, je détecte une belle dent de requin qui s'échappe. Là, voilà, pareil. Couverte de sable, hein, un requin quand même, qui avait des sacrées dents, très pointues, des denticules à la base de la dent principale. Elle est bien complète. On imagine la taille quand même de ces monstres marins. Heureusement qu'à l'époque, il y a 15 millions d'années, il n'y avait pas d'homme. Et on est en Gironde, loin de la mer. Je vous le rappelle. À bientôt!